est, c'est le grand jour, on est à l'aéroport. On est en train de faire les premiers check-in. Ouais, il est 7h31. Mm-hmm. Donc là, on va rentrer dans notre porte. On va faire le check-in sécurité et puis après, on va aller se poser. On a déjà pris de quoi manger. On va prendre à boire parce que vous savez, vous-même, vous savez, sinon ils vont tout boire qu'avant la sécurité. Donc on va prendre ça après. Puis on va se poser, on a du temps. On décolle à 10h05. Salut tout le monde, arrivée. On est trop bien arrivé, l'aéroport est trop beau, le voyage est bien passé. Soleil plein, on est comme en Afrique. Vous voyez. Dès qu'on est descendu de l'avion, il y a une odeur comme ça, l'odeur de l'Afrique, une bonne odeur, l'odeur de chez nous. Incroyable. J'ai trop aimé, je me suis senti bien accueilli déjà sur ma terre. Ouais. Donc là, on va rentrer, on va faire les derniers trucs à l'aéroport là. Et puis, go à la baraque. Là, je vais vous présenter la première pièce de notre appartement, la salle de bain. Suivez-moi. Je vous amène dans le salon. Petite terrasse? Ouais, petite terrasse pour les breakfasts. Et ici, la dernière pièce. Donc voilà, des petits espaces de rangement, une belle plante. Donc voilà, bien cosy, bien accueilli ici. Bien aimé dans le Seigneur. Bien arrivé. On attend les wifi. On attend les wifi. Eric Makela. Bienvenue à Place Jama Alfna.
là, on est dans un resto. On va goûter le premier plat du pays, un tagine. Tagine master. Voilà. C'est poulet, oignon, miel. Et... c'est tout, c'est voilà. Tout, c'est tout ce qu'il y a. Donc il va manger ça. Moi, je suis KO du McDo, donc j'ai juste mangé des samoussas, viande hachée. Et j'ai pris aussi du nermien à la menthe. Et donc voilà, une première fin de journée, soirée chargée. On est un peu fatigué. On va rentrer ce soir, on va se coucher. Et en tout cas, le Maroc, rien à dire. C'est ici, mieux que Dubaï. Oh. Bref, tchuss. Salut tout le monde. Hey guys. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Bon, on va dire en vrai, c'est notre première journée. Ouais, notre première parce journée, que... c'est réveillé à Marrakech. Voilà. Et le premier jour, c'était un jour où c'était plus du repérage, ouais, un peu d'immersion. On venait d'arriver. Ouais, on était KO. Très fatigué. Mais aujourd'hui, on est à M Avenue. M Avenue, M Avenue. On est parti manger là-bas, derrière, là, tout au fond. Medley Café. C'était super bon. Vraiment, moi, d'habitude, il y a des trucs, je mange pas la guacamole et tout. C'est des trucs que je mangeais pas de base, hein. Mais vraiment, le soleil, regardez le soleil, comment il nous fait là. Oh, thank you, Jesus. Je fais comme ça. Donc là, on fait un petit peu les magasins, on regarde un peu tout ce qui se passe ici sur M Avenue. Ouais. Et puis le soir, il y a quelques programmes. D'autant plus qu'il y a le Congo qui joue ce soir. Le Congo qui joue aujourd'hui. 243. Donc, ouais. Là, je suis près du cœur. Franchement, je pense que ce soir, ça va être un très bon match. 243. Les Léopards, on compte sur vous. Faites-nous plaisir, s'il vous plaît. Ouais. Parce que nous, en plus, là, on est en Afrique, donc on va regarder le match en direct. En direct. Ça sera sur trop la chouette. Terre des ancêtres. Ça fait franchement, plaisir. Ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, regardez déjà. Voilà, on est venu dans un magasin là. On va s'acheter deux belles gelabas sur Marrakech. Regardez là. Vous aimez bien ? Waouh. Et le match du Congo. Yes. On se prépare. Ah ouais, hein, chef. T'as vu, hein? Que Inch'Allah, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que les deux pays soient qualifiés. Congo et Maroc doivent être qualifiés. Bien sûr. Maroc est déjà qualifié. Nous, bah, c'est pas trop sûr. Mais on va être qualifié aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah. On nous fait des visites de Marrakech. Le nouveau Marrakech et le vieux Marrakech, parce qu'il y a deux Marrakech. Et donc aujourd'hui, notre guide est en train de nous expliquer un petit peu les différences entre les deux Marrakech. Ok tout le monde, là c'est le soir du match. On est en train de regarder le match 1-0 pour le Maroc. Ouais. On vous a mis, juste après on va vous mettre la vidéo, on vous a mis un petit aperçu de comment c'est. Ici il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance, on dirait l'Afrique, pas comme chez nous les Roms.
Salut tout le monde. Good morning. Vos youtubeurs préfs sont là. Alors aujourd'hui, de bon matin, on est de sortie pour aller. On a mon petit verre. On va au Jardin Majorelle et au musée Yves Saint-Laurent, Marrakech. Waouh, regardez même comment on est habillé pour les. Voilà, regardez. Waouh, waouh, waouh. Petite exclusivité, Holy Gown, go baby. Waouh, waouh. Donc voilà, on y va et on vous tient au jus. Coucou. Aujourd'hui, on est au Palmeray. Donc c'est à peu près 20 minutes de Marrakech. On est venu pour faire les quads, enfin du quad et les dromadaires. Donc j'ai trop hâte, ça va être une superbe expérience. Je le fais surtout pour Habibi parce que il veut absolument faire du quad. Donc on va prendre un quad à deux. Et moi je vais être derrière parce que I'm a passenger princess always period. T'as hâte? Trop hâte. Franchement, je suis content. Depuis on en parlait, depuis la Belgique, on en parlait, on se disait il faut qu'on le fasse. Et franchement, on est arrivé, on l'a fait. Je suis vraiment content. Ça va être chouette, hein. Ouais. Thank you.
Monte ton bouc. Ah ouais. Regardez, je m'étais maquillée, mais Safari. Gardez le sable. Baby. C'est terrible. Ça va bien? Ça va bien. Allez, tiens les habits pour les berbères. Wow. Aïe, aïe, aïe. Sahraoui. Non. Tu connais Sahraoui? Non. C'est ça? C'est l'habit? Oui. Vivi le berbère. Vivi le I'm so happy, guys. It's my birthday weekend. Dans moins de 24 heures, j'aurai 29 ans de vie sur Terre, grâce à Dieu. Donc, pour l'occasion, on a voulu changer de lieu. On est venu dans un resort. Il est all inclusive. Il est à quelques minutes, je dirais 10-15 minutes de la ville de Marrakech. Donc, c'est le Riouti qui la palmerelle. Donc on est venu ici, on va rester ici jusqu'à notre départ. Donc on est là encore quelques jours.
Il est incroyable l'endroit, il est tellement grand, on va pouvoir vous le montrer. Comme ça vous pourrez l'apprécier aussi. Bébé, celui qui a tout fini. Mon sugar daddy. La vie qu'on a choisie, la vie qu'on mérite, la vie de Vivi et de Naomi. Ouais, une belle petite intro. Le roi du basket est là. On est là. On a mis quelques paniers dessus. Hey guys, quick get ready for me for my birthday. So I decided to go for like a beige, white, cream type of outfit. This white satin large shirt from Zara. And I've got this cute mini dress, mini skirt, I mean, with this texture, which I love. It's from H&M, I got it on the sales. So now I'm gonna accessorize. I am wearing this pretty flower and pearls earrings. I got them from Shein. This big one on with some gold heels that I got years ago from Ego. This one with this gold bag. Absolutely amazing. The final look.
the birthday girl is ready and you guys. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nambi. Merci, merci, c'est gentil. Merci. Non, 29 ans. Oh. Je parlais à l'un après que je sois embauché. De côté. Ma ah Baz, je suis venu en vacances ici parce que il y a un mois, jour pour jour, je me suis fiancé avec ma chérie. En plus de ça, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est son anniversaire. Alors je vais vous parler sur la scène. Bienvenue sur la scène. Pour vous. Hey guys, ça fait longtemps, désolé, on était vraiment pris, on a trop kiffé mon anniversaire et surtout depuis qu'on est ici au Rio, c'est juste incroyable, on est déconnecté du monde, n'est-ce pas bébé? Exactement. Donc ça fait qu'on n'a pas, on vous a pris des images mais on ne vous a pas trop causé, donc excusez-nous. Mais voilà, j'ai 29 ans, c'est officiel. 29 never looked this good, bro. Tout le monde pensait que j'avais 18 ans, 19, vraiment, Dieu fait grâce. T'es content bébé? Black don't crack, baby. Je suis content, on a passé une très belle journée, très belle soirée aussi d'anniversaire. Là maintenant, on profite encore du soleil puisque vous voyez, il fait beau. Il fait trop beau. On va un peu jouer au basket parce que comme de la NBA. Ouais, Vivien Samoto NBA. Donc on va aller jouer au basket. On va chill. C'est notre dernier jour, mais on est super content et on a hâte de revenir. Donc voilà, on vous fait des gros bisous et à vous revoir dans d'autres vlogs. Brr. Un gaffe parce que pas envie de retourner à BX, n'est-ce pas? Vraiment. Full line. Envie de rester ici. Pour toujours, à jamais. Mais honnêtement, je pense que les images, elles parleront d'elles-mêmes parce qu'on a eu un voyage incroyable. 10 sur 10. Et il y a plein de choses à découvrir. En dehors même de Marrakech, il y a plein d'autres villes, donc Taros.